La pirogue. Bon, on va aller voir la pirogue. C'est ça que j'ai pas le droit de ramer? Moi j'aime bien ramer moi. Quoi? On va porter la pirogue. Mais bon, un sport de dimanche là, c'est lourd ton truc, hein. Putain, il presse une tonne, hein. Quand t'as mal fait les derniers préparatifs, et là, bientôt pour la noyade. Donc la noyade, ça va commencer par ici. Bien sûr, avec les gamins. Je ne pense pas qu'on va passer des mauvais moments parce que ça fait un peu peur. Ça veut dire qu'on. Allez, viens, elle est prête à se noyer aussi. Tout le monde est prêt à se noyer. Allez, c'est parti d'ici quelques secondes. Ça bouge, on dirait que le bateau il bouge et tout qui bouge. Et voilà, il ne faut pas avoir de téléphone, des clés parce que sinon on va les brûler tout en bas de la flotte. Allez. D'ici 15 secondes, c'est parti, on va faire le tour du monde. On est tous prêts. Allez, il fait beau, c'est parti. On est tous bien physiquement, on peut dire ça comme ça. Allez hop, j'ai commencé la première fois depuis au moins une année qui fait du sport. C'est parti, mon cul. Bon, allez, c'est une première encore, Titi. Oh, avance. Bah, tu t'es fatigué ou quoi? Putain, on a la pause là-dedans et on. Un café pour savoir pour la vie. Il fait beau, il faut pas faire tomber le téléphone, sinon ça va faire tâche. Et il fait beau. Des spectacles et comment ça s'appelle, et maintenant il faut mettre le gros suppositoire dans le chariot pour qu'on puisse le ranger après ça. Donc c'est la fin et ça c'est encore un peu pénible, mais sinon bah on a un petit garçon là qui tient un truc et il est trop fort, il va être trop fort, il va le mettre tout seul sur le truc. Hop.